Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, Isabelle, merci de m'avoir fait cette remarque. Je vais donc vous donner la date, hein. C'est vrai que ça peut être important. On est donc le 13 mai aujourd'hui, je vais vous parler un peu du système qu'on a retenu pour irriguer notre petite serre au cours de la saison. Donc, je vous rappelle que la serre fait 9 mètres carrés, c'est tout petit, hein. Ça sert plus d'abri de la pluie, notamment d'abri à tomates en particulier, que de serre à proprement parler, puisqu'on ne la ferme jamais, hein, durant la saison. Néanmoins, j'aimerais limiter les arrosages aériens cette année, et puis pouvoir aussi gérer un peu plus les absences qu'on peut avoir, je pense en particulier aux vacances. Alors, ça tient là-dedans. Voilà, deux colis là qui contiennent le matériel dont on aura besoin pour s'affranchir de cette question de l'irrigation de la serre. Il ne s'agit pas d'un goutte à goutte. Je vous laisse peut-être deviner de quoi il s'agit. 30 secondes. Un peu moins que ça. Vous avez trouvé ? Allez, je vous montre ça en image. Voilà donc la solution qu'on a retenue, ce sont ces amphores ou des jarres, appelons ça comme on veut, des poteries, hein, voilà, qu'on va donc enterrer, hein, jusqu'ici. Elles sont équipées d'un couvercle et l'idée c'est de les remplir d'eau. Alors celles-ci elles font 10 litres et elles vont pouvoir diffuser cette eau donc très régulièrement par porosité, hein, tout simplement. C'est une argile particulière qui sert à réaliser ces poteries qu'on appelle des oyas. Et ça va nous permettre, en principe, l'eau allant toujours du point le plus humide vers le point le plus sec, au fur et à mesure que le sol s'assèche éventuellement, eh bien ça va permettre de disposer de trois jarres, 30 litres de réserve d'eau. Alors, trois que je vais disposer de la manière suivante. Deux, d'un côté de la serre, une de l'autre côté de la serre. Ça va servir essentiellement pour les tomates, et puis le dernier quart de la serre va accueillir plutôt les aubergines, poivrons, etc., pour lesquels je ne mettrai pas de jarre. Alors, pour être tout à fait honnête, j'en avais commandé 4 et j'en ai reçu 4 en parfait état et on en a cassé une, hein. Donc je sais pas comment on a fait, c'est en déballant, je me suis rendu compte qu'il y en avait une cassée. Or, je n'ai plus le temps d'en recommander une, ça peut prendre beaucoup de temps, jusqu'à 8 semaines, hein, la réception de ce produit. Il faut que je plante et je peux pas imaginer non plus les mettre en place après avoir planté dans la serre. Donc pour cette année, on fera ce sera un peu un mouton à 3 pattes et puis ça nous permettra en même temps d'apprécier l'efficacité de ce système. Et puis on verra l'année prochaine si on complète avec une quatrième jarre sous la serre, voire même si on étend le système, pourquoi pas à certaines parties des extérieurs pour gérer un peu aussi les éventuels problèmes d'arrosage en été, même si honnêtement notre paillage répond déjà très très bien à cette question là quoi. Allez, on les installe. Voilà, donc le premier est en place. J'ai pris soin de bien reboucher autour avec de la terre fine pour assurer bien le contact entre la jarre et entre la poterie donc et le sol. Il n'y a plus qu'à remplir et puis je pense qu'on pourra venir la forme de ces poteries permettra quand même de planter assez près autour. En principe, ça doit pouvoir irriguer entre guillemets environ un mètre autour, hein, de la poterie sur ce volume de 10 litres, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est une petite entreprise de l'Hérault, hein, qui fabrique ces oyas. Je vous mettrai le lien de leur site internet dans la description de la vidéo. Voilà, donc ouais, ici, enfin, encore un là. Oh, je l'ai coupé en deux celui-là. Encore un ici, enfin,
Voilà, hein, pas mal de vers de terre dans le sol de notre serre, ce qui est assez facile à expliquer puisque durant tout l'hiver, j'ai pris soin d'arroser très régulièrement sous la serre de manière à ce que le sol se maintienne en vie. Et puis, comme à l'extérieur, hein, il y a le crottin qu'on retrouve ici qui est venu alimenter un petit peu tout ça. Et ben, ouais, effectivement, j'étais jusqu'à présent pas trop amené à creuser. Il est bien rare qu'il y ait une bêche au potager qui dit non, mais bon, là, c'était nécessaire aujourd'hui. Et ça me permet de constater effectivement la colonisation de, eh bien, du sol de notre serre par ces vers de terre, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Alors, je vais en profiter aussi pour cacher un peu ma réserve personnelle. Voilà, ça en fait une douzaine que la patronne ne trouvera pas et sur lesquelles elle ne pourra pas me rationner. C'est très bien. On y va. Alors voilà, les zoyas sont posées, les trois zoyas sont posées. J'ai gardé une place d'ailleurs où ça goûte un peu sous la serre pour les poivrons aubergines. Je préfère que ça goûte un peu en attendant que je répare ce tout petit trou sur ces plantes-là plutôt que sur les tomates. Et puis ce dont je voulais vous parler également, c'est voilà, ces plants de tomates de l'année dernière qui ont souffert du mildiou puisque j'avais enfermé de l'humidité tout à fait en fin de saison. Il y avait un coup de vent qui était annoncé. J'avais enfermé de l'humidité dans la serre parce que j'avais arrosé et fermé la serre par rapport à ce coup de vent qui était annoncé. Sauf que c'était l'automne, le coup de vent a bien eu lieu, mais il faisait quand même très doux et boum, ça n'a pas manqué, mildiou dans la serre. Bon, c'était pas très grave, il restait juste quelques tomates. Voilà, toujours est-il que les pieds de tomates infectés, je les ai laissés sur place. Ça ne m'inquiète pas le moins du monde. Je crois vraiment que si les conditions ne sont pas réunies de nouveau cette année sous la serre, il n'y a aucune raison pour que ce mildiou se développe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous retrouve très vite avec une autre vidéo au sujet des plantations des tomates et puis toute une foule de choses dont j'ai envie de vous parler là très rapidement derrière, mais je voulais isoler celle-là sur la question propre de l'irrigation. Et puis surtout au sujet de ma réserve personnelle, pas un mot. Hein. Allez, à bientôt, ciao ciao.